Je vais lire un passage dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 et au verset 21. Quatre fois, Jésus-Christ a parlé de choses qu'on devait faire en premier. Donc, quatre choses très importantes. Et ça commence ici, dans Matthieu 5. Nous voyons l'importance d'être réconciliés avec nos frères et nos sœurs en Christ. Nous devons veiller à ce que le pardon règne toujours dans l'Assemblée et que nous chassions de nos cœurs toute amertume et que nous agissions selon l'enseignement du Christ à l'égard de ces choses. Matthieu 5, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens Tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, « Je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka », c'était un mot d'insulte à l'époque, mérite d'être puni par le Sanhedrin. Que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc le verset 24 dit, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Avant de faire quoi que ce soit pour le Seigneur, nous devons être réconciliés avec les autres. Il y a quelques jours, des frères de notre Assemblée me parlaient d'une réunion de prière. Où il y avait quelqu'un qui se disait chrétien et qui croyait même euh, être en contact avec l'Esprit Saint, qui, euh, enfin, il y avait une manifestation démoniaque. Et il a fallu que les frères chassent les démons de cette personne. Ce qui a été révélé, en enfin, fait, il y avait plusieurs choses, la personne avait touché une sorte de choses mauvaises, mais c'était surtout ce qui liait cette personne, était un manque de pardon, un refus de pardonner à sa sœur. C'est indispensable le pardon. Il y a des gens qui se disent chrétiens et qui sont trompés par des esprits de séduction. Vous savez, les esprits de séduction, qu'est-ce qu'ils font Ils imitent l'action du Saint-Esprit. Un esprit de séduction, un démon peut imiter le parler en langue. Il y avait même, il y a quelques années, une personne nouvelle qui était dans notre assemblée. Et au milieu de mon message, cette personne commence à parler en langue. Je l'ai arrêté immédiatement parce que j'ai ressenti dans mon esprit que ce n'était pas du tout le Saint-Esprit qui parlait. J'ai demandé même aux anciens d'amener la personne dans une autre pièce et de prier pour elle et pour sa délivrance. Et je n'avais pas tort. C'était en fait une voyante qui n'était pas du tout chrétienne et qui, c'était la première fois qu'elle entre dans une église. Le diable voulait perturber la réunion avec un faux parler en langue, mais le Saint-Esprit a révélé tout cela. Dans Marc, chapitre 11, Une personne qui ne pardonne pas n'est pas sauvée. Je le répète, une personne qui ne pardonne pas n'est pas sauvée. N'a pas le Saint-Esprit. Une telle personne peut avoir un esprit mauvais, imitant le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas possible qu'un croyant afin que la personne soit un véritable disciple du Christ, refusant de pardonner. Parce que Dieu refuse de pardonner une telle personne. Dans Marc 11, au verset 25, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. L'enseignement du Christ va encore plus loin, parce que dans Matthieu chapitre 18, Pour que nous n'ayons pas d'amertume dans notre cœur, nous devons agir selon son enseignement. Matthieu 18 au verset 15. Si ton frère a péché, peut-être que la personne a péché contre quelqu'un d'autre ou a simplement péché ou peut-être que cette personne vous a offensé. Peu importe, Jésus a dit, va et reprends-le entre toi et lui seul. C'est très important, mais évidemment, il faut le faire avec amour. C'est très important de le faire avec amour. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est-à-dire, l'Église devait le traiter comme étant un non converti. Malheureusement, il y a énormément de gens qui n'obéissent pas à cette parole et gardent l'amertume dans leur cœur. Et la Bible dit que nous devons veiller sur nos cœurs parce que quand il y a de l'amertume dans le cœur, ça peut troubler énormément de gens selon la Bible. Quand nous n'obéissons pas au Seigneur, l'Église locale ne peut pas être pleinement bénie par l'action du Saint-Esprit. Il y a des gens qui, au lieu d'obéir, changent d'Église, fuient le problème. Ce n'est pas la chose à faire. Parce que si la personne n'est pas reprise, cette personne va troubler d'autres. Et peut-être que d'autres vont quitter l'Église. C'est indispensable de suivre l'enseignement du Christ. C'est indispensable de pardonner. Dans Ephésiens chapitre 4, Et au verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dieu nous appelle à pardonner parce que lui nous a pardonné. Dans Colossiens chapitre 3, au verset 12, Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'un de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. En fait, le mot charité n'est pas une bonne traduction. Il n'y a même pas un mot pour expliquer exactement ce que le mot en grec signifie. Il faut l'expliquer. Ils ont mis le charité parce qu'il est l'idée de l'amour qui ne reçoit rien en retour. Si vous comprenez l'idée, nous acceptons de pardonner, nous acceptons d'aider, même si la réaction de l'autre n'est pas... La meilleure réaction possible. Jésus-Christ a aimé ainsi. De la croix, il a prié, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il priait pour les personnes qui le mettaient à mort. Et il veut nous aider à manifester la même sorte d'amour. Étienne, dans Acte chapitre 7, a agi ainsi. Lapidé, en train de mourir, il prie aussi pour ceux qui le mettaient à mort. Que Dieu ne leur impute pas ce péché-là. Nous avons tellement besoin du Saint-Esprit parce que dans les derniers temps, les croyances seront de plus en plus persécutés, de plus en plus menacés. Et je l'ai dit en semaine, mais selon les statistiques actuelles, il y a environ 332 chrétiens tués chaque mois. Chaque mois. Et en fait, les prophéties du Christ se réalisent. Il avait dit qu'on serait haï de toutes les nations, parce que les hommes se donnent de plus en plus au diable. Certains, consciemment, d'autres, sont simplement liés par le mal. Dans Matthieu chapitre 6, Le Seigneur nous dit aussi ce que nous devons faire en premier. Matthieu 6, au verset 33, Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il parlait du fait de manger, de boire, de se revêtir. Il ne voulait pas que les, ses disciples soient inquiètes parce qu'ils étaient obligés de dépendre de miracles de la part du Seigneur. Ils allaient partir prêcher l'Évangile partout, parmi les païens. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu est capable de pouvoir à nos besoins. Il n'a jamais promis qu'on serait riche. Il a promis la persécution, des tribulations dans le monde, de l'affliction, mais une éternité de gloire et de joie. C'est quoi chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu? C'est mettre le Seigneur, les armes, l'Église avant toute autre chose. C'est mettre le spirituel avant le temporel, avant le, ce qui est physique. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 15, Paul a dit L'amour du Christ nous presse. Et il disait que les vrais disciples ne vivent plus pour eux-mêmes, mais ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Les vrais disciples se rendent compte qu'ils ont une tâche à accomplir dans ce monde. Nous recevons le ministère de la réconciliation. Nous devons dire à tous, soyez réconciliés. Avec Dieu, il n'y a rien de plus important. Le mariage n'est pas plus important. Ce n'est même pas la volonté de Dieu que tu sois marié. Le travail n'est pas plus important. Dieu peut pouvoir partout et n'importe où. À nos besoins si nous mettons le Seigneur à la première place. Chercher le royaume de Dieu et sans justice, c'est suivre Jésus-Christ tout simplement. Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Est-ce que vous êtes un pêcheur d'hommes? Est-ce que vous êtes un pêcheur d'hommes? Est-ce que vous avez jamais gagné une âme pour le Christ? Est-ce que vous témoignez? Est-ce que vos voisins savent que vous êtes chrétien? Est-ce que vous leur avez expliqué le plan du salut? Est-ce que vous priez pour leur salut? Cherchez le royaume de Dieu et sa justice en premier. C'est tout faire afin de devenir exactement comme Jésus-Christ. Dans votre manière de penser, de parler, d'agir, de réagir, le Père désire que vous soyez comme Jésus-Christ. Selon Romains chapitre 8, verset 28, absolument tout ce qui vous arrive sur terre, les bonnes et les mauvaises choses, vous arrive pour que vous deveniez comme Jésus-Christ. Et en tout temps, en tout lieu, notre but devrait être comme le Christ. Est-ce que nous pensons comme le Christ pensait? Est-ce que nous agissons, est-ce que nous réagissons comme Jésus-Christ? On l'a dit dans Philippiens chapitre 1 au verset 21. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Dans Matthieu 7, de nouveau Jésus-Christ parle de quelque chose que nous devons faire en premier. En fait, toutes ces choses forment un tout. Lisons à partir du verset premier. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Il est jugé et jugé. Parce que selon Corinthiens 5, il y a des choses que nous devons juger. Et nous allons le voir. Mais nous ne devons jamais juger dans le sens d'imaginer ce qui est dans le cœur de quelqu'un d'autre. Ou d'imaginer ce que la personne a fait ou n'a pas fait. Ou d'imaginer les raisons pour lesquelles la personne agit d'une certaine manière. Ce n'est pas à nous d'imaginer des choses. Mais il y a des choses que nous constatons ce n'est pas une question de juger, c'est évident, et nous devons agir, comme nous allons le voir, par rapport à ces choses. on vous jugera du jugement dont vous jugez. donc, il faut faire attention à comment nous agissons avec les autres. si nous imaginons que nous devons reprendre quelqu'un, Jésus, dans Matthieu 18, nous a dit de reprendre si quelqu'un est dans le péché. Mais comment est-ce que nous allons faire avec amour, avec sagesse, avec humilité, avec douceur On vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, ⁇ Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. ⁇ C'est ça ce qu'il faut faire en premier. ⁇ ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors... Tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Jésus ne nous disait pas de ne pas agir. Il nous disait, examinez votre propre vie avant de reprendre quelqu'un d'autre. Est-ce que ce problème est chez vous? Il faut mettre votre vie en règle avant de pouvoir aider qui que ce soit d'autre. C'est choquant parfois comment les gens peuvent être hypocrites, comme le Christ le dit ici. Je me rappelle d'un problème avec deux pasteurs qui sont tombés dans le péché, qui péchaient avec des femmes. Et c'était des pasteurs reconnus, célèbres même. Et là, a été mis au courant de l'autre et il a tout dévoilé publiquement. On ne doit jamais faire cela. Qu'est-ce que le Christ a dit de faire? On va voir la personne en privé entre lui et nous. On veut gagner la personne, on veut aider la personne à se repentir. Et ensuite, on doit le faire avec deux ou trois témoins. Si ça ne marche pas, alors on doit le dire non pas au monde entier, mais à l'Église, aux responsables qui vont trancher. Mais au lieu de faire cela, ce pasteur a dévoilé la chose publiquement sur une chaîne de télévision. Quand lui-même faisait la même chose. Dans Corinthiens chapitre 5, Jésus Christ ne nous dit pas d'éviter tous les gens du monde. Souvent il était critiqué lui même parce qu'il allait auprès des gens non convertis. Il mangeait avec eux, il entrait dans leur maison, comprenant que cela semblait être contre la loi de Moïse, parce qu'un juif n'avait même pas le droit d'entrer dans les maisons des pécheurs ou des non-juifs. Et le Seigneur, souvent, il voulait être avec les gens de mauvaise vie parce qu'il cherchait les injustes pour les sauver. De la même manière, nous devrions parler avec les pires des pécheurs qui peuvent se convertir. Mais que si quelqu'un est dans l'Église et ne veut pas se repentir, ne veut peut-être même pas reconnaître que telle et telle chose est péché quand la Bible le dit clairement. Vous savez, nous, nous vivons dans un monde horrible. Un monde qui est en train d'accomplir les prophéties dans Timothée 3 et, et chapitre, le chapitre 4, où les gens prétendent être chrétiens. Ils n'ont aucune relation réelle avec Dieu. Aucun changement de vie. Parfois, ils sont même pires que les non-convertis du monde. Et c'était déjà problématique dans l'Église à Corinthe. Et Paul a écrit donc au verset 9, Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir les relations avec les impudiques, c'est-à-dire les fornicateurs, les immoraux, sexuels, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il, il vous faudrait sortir du monde. maintenant ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un, qui, se mon frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme Que j'en ai fait à juger ceux du dehors N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. C'était un homme et une femme, enfin c'était surtout l'homme qui a chassé apparemment, qui couchait avec sa belle-mère. Il venait quand même à l'église comme s'il n'y avait aucun problème. Et apparemment, il ne voulait pas changer de vie. Donc Paul a ordonné à l'église de le mettre dehors de l'église. Et lui-même, dans la prière, il a livré au, à Satan pour la destruction de la chair, pour que son âme soit sauvée. C'est un peu difficile à saisir comme action, mais ça a marché. Parce que selon la deuxième épître aux Corinthiens, cet homme s'est repenti, voulait être accepté de nouveau dans l'Église. Et Paul a écrit pour que l'Église l'accepte. Donc, il y a des choses que nous devons absolument juger dans le contexte de l'Église locale. Mais nous ne, juge, nous ne devons jamais juger, surtout pas les non-convertis du monde. Il faut simplement prier pour eux et leur parler du Seigneur. Dans 1 Jean 5, que je mentionne très souvent, Jean nous pousse à prier pour les chrétiens qui sont liés par le péché, pour que Dieu leur donne la vie, pour qu'il les libère. Mais vous savez, il y a une très grande différence entre quelqu'un qui ne veut pas se repentir, changer de vie, et quelqu'un qui est simplement faible et a besoin de nos prières, et peuvent être délivrés. Il faut toujours faire la différence. Dans Matthieu 23, au verset 25, Jésus a dit, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Au verset 27, il dit, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Ce qui est indispensable pour que nous soyons de vrais chrétiens et que nous restions de vrais chrétiens, c'est que nous devons... Enfin, nos cœurs doivent être purifiés. Nos pensées, nos imaginations. À quoi ça sert si on est beau à l'extérieur, si on donne l'impression d'être saint, si en fait à l'intérieur, il n'y a que des pensées impures? Nous devons, selon la Bible, chasser. Au nom de Jésus-Christ, toute pensée mauvaise. Évidemment, à cause d'une image, à cause d'influence des gens du monde, des, enfin, de toutes sortes de choses dans le monde, et parce que le diable lui-même peut planter en nous une pensée mauvaise, tout au long de notre vie chrétienne, nous serons obligés de confronter cela et de chasser tout ce qui est impur. Si on ne le fait pas, on va commettre l'acte que nous imaginons, tôt ou tard. Le péché commence dans le cœur. Et ce que nous devons faire, enfin ceux qui se convertissent, ce qu'il faut faire en premier, c'est de se purifier avec son aide. Par la lecture de la parole, il nous libère par sa parole, par la réception du Saint-Esprit, par le fait de prier par le Saint-Esprit. Le fait de jeûner aide. Et le simple fait de venir aux réunions où l'Esprit du Christ se manifeste, ça nous édifie. Vous savez, la vraie vie chrétienne est une lutte continuelle contre le mal. Et le diable, il n'a pas peur toujours des gens qui se convertissent parce qu'il sait qu'il a le temps pour vous éloigner de la foi, pour vous éloigner de la sainteté. Et il va tout essayer tout au long de votre vie, pour vous faire tomber, pour que vous soyez dégoûté, peut-être par d'autres chrétiens, par des choses du monde. Jésus a dit, enfin, qui sera sauvé Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Celui qui persévérera dans l'amour jusqu'à la fin. Dans Matthieu 24, il avait dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira dans les derniers temps. Évidemment, ce sera de plus en plus difficile parce que Jésus a dit que les enfants trahiraient les parents. Livrerait les parents aux autorités. Et les parents feront de même avec les enfants. 332 chrétiens tués tous les mois, maintenant. Ce n'est pas uniquement dans les pays musulmans c'est dans certains pays communistes et d'autres, où le crime règne. Dans Matthieu 5, au verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc Jésus-Christ veut purifier nos cœurs. Il veut nous aider à chasser toute pensée de convoitise. Les femmes ont le même problème. Dans beaucoup de domaines, on peut être complètement submergé par le mal au niveau de nos pensées. La pornographie est un grand problème pour beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Vous savez, Jésus a dit, celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Une personne qui n'a jamais touché à l'alcool, n'a jamais touché une cigarette, une drogue, ne sera jamais tentée par ces choses en étant adulte. Mais si quelqu'un laisse, enfin, par curiosité, une seule fois, on peut être lié par la chose. Il y a beaucoup de gens qui sont liés. Et il faut vraiment jeûner, prier, demander la prière des autres pour être libre. Et il faut être libre. Parce que si vous n'êtes pas libre, vous ne serez pas sauvés. Jean était très très clair dans 1 Jean 3 au verset, enfin lisons à partir du verset premier. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il lorsqu sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pèche transgresse la loi. Et le péché et la transgression de la loi, or vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. La clé c'est de demeurer en Christ. Petits enfants que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui même est juste. Celui qui pêche est du diable, que le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants de, du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous pose la question, est-ce que, est que vous êtes en train de faire ces choses qui pour le Christ sont des priorités? Est-ce que vous avez vraiment renoncé à tout péché? Est-ce que vous cherchez à être entièrement purifié, sanctifié dans vos pensées, vos paroles? vos actions, vos réactions. Est-ce que votre âme est en sécurité parce que vous faites le nécessaire? Non, ce n'est pas assez de venir dans une église. Ce n'est pas assez d'être baptisé d'eau. C'est important. Mais ce que nous venons d'étudier est la priorité. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais demandé à Jésus-Christ d'être votre Sauveur ou Seigneur personnel. Vous n'avez jamais accepté qu'Il soit le Maître de chaque détail de votre vie. Mais vous voudriez qu'Il soit le Maître. Vous voudriez avoir l'assurance de la vie éternelle. La Bible dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance. Mais pour cela, il faut être libre. Si ce matin vous avez besoin de prière parce que vous voulez être libre, vous voulez que le Seigneur vous aide à avoir un cœur pur, une vie sainte, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe en élevant votre main, juste pour l'instant. Merci, 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 oui, merci. Merci. Oui, merci. Merci. Vous pouvez baisser vos mains après, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous avez besoin de prière? Vous voulez vraiment être un vrai disciple? Merci. Un vrai disciple du Christ, suivant le Seigneur, étant comme le Seigneur. Merci. Merci. Oui. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui viennent d'élever la main. Je prie pour tous dans la salle. Nous avons tous besoin de ton aide. Nous savons que nous serons de cible du diable tout au long de notre vie. Nous voulons te plaire en toutes choses, Seigneur. Nous voulons refléter ta pureté, ton amour. Ta compassion, ta patience, ton humilité. Seigneur, aide-nous être comme toi. Remplis-nous du Saint-Esprit. Que tout esprit de séduction soit chassé au nom de Jésus. Que ton esprit prenne le plein contrôle de tout en nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire avec toi. Tout est possible. Agis miraculeusement pour tous dans cette assemblée, au nom de Jésus.